City. C'est sûr. Ouf là, ça c'est pas pour toi ça. Toujours, non, je commence à peine d'y jouer. Quoi? Je commence à peine d'y jouer. Oui, mais là, c'est parti. Ouais, moi, on comprend. Intérêt d'entente, oui, mon ami. T'as pas fait ton médicament ou quoi? Putain, on est trop bien aujourd'hui. On est le. On est le. Mais t'arrêtes de toi, ça. Et bien, on va faire un match sur le live. Elle est trempée dans l'eau, au cas où, maman. Elle est trempée dans l'eau, au cas où, les œufs, voir s'ils flottent ou pas. Ah ben oui, mais ce serait con de mettre un œuf pourri dans ton tout repas, là. Allez, c'est parti. Oh, ça va, ça va te prendre 10 secondes à faire tremper dans l'eau. Non, mais si, il faut que ça soit plein d'eau. Ah, c'est sûr que ça va pas flotter hein, si ça nage. Non, c'est bon, s'il flotte. Il flotte pas, il coule, c'est bon. C'est bon. Ça, s'il flotte, c'est qu'il est pas bon, c'est qu'il a du gaz en lui. Allez, on va attendre, tu dis. Qu'est-ce que je cherche ici? Salut, V. Après tout ce qui s'est passé, je pensais pas qu'on se reverrait. Non, mais sérieux. Arrête tes conneries. Est-ce que t'as des nouvelles des Mox? Events? Ou autre? Je sais pas. Je les vois plus beaucoup. Pourquoi? Tu les connais. Elles me tapent sur les nerfs, des fois. C'est tout. Hein? Alors, quoi de neuf au cloud? T'as des nouvelles? Ah ben, appelle là. Et ton téléphone n'est pas là, je crois. Les choses ont changé. Tout le monde essaie de s'adapter. Y compris moi. À t'entendre, ça va pas fort. Ah, mais j'ai pas dit ça. C'est quoi, maman? Je me réveille tous les matins avec un mal de tête. Ça a pas l'air d'aller, tout à coup. Ah ben. J'ai un mal de tête, là. Ça me comprime ici, là. Je dis. On peut éviter de parler du cloud, des Mox, d'Arasaka, de Militech et toute la merde qu'il y a dans le monde pour une fois. Oh. J'ai juste pas envie de penser à des trucs glauques aujourd'hui. Alors, tu vas me dire ce qu'on fait ici, au juste? Bah, j'ai bidouillé pas mal de virtus dernièrement. Et j'ai trouvé un moyen de filmer les expériences de deux personnes en même temps. Je me suis dit qu'on pourrait essayer. Si ça te dit, évidemment. Qu'est-ce que je dois faire? Toi, Choum, tu vas me filmer une virtu. C'est tout? Non, non, attends, j'ai pas dit ça. Ce sera peut-être la plus grande œuvre de ma vie. Comment t'arrives à ceci? Oh, j'ai pas assez. On pourrait faire ça n'importe où. Pourquoi on est venu aussi loin? C'est quoi cet endroit? Le bungalow appartenait à quelqu'un que je connaissais. Il est vide maintenant. Je m'en sers de temps en temps. Et c'est là qu'on va tourner, alors? Non, on va tourner sous l'eau. Ah non, 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 pas moyen. Ça, c'est une idée de merde. Dis-lui de trouver un autre cobaye. Alors? T'es partant? Ouais, carrément. Génial. Alors, c'est parti. J'ai tout le matos ici. Je m'en fous de ta pensée, Johnny. Allez, en combi, marin d'eau douce. Bon, je vais te mettre. Ah, j'ai la classe, attendez, regardez-moi ça, comment j'ai la classe en combi. Le filmeur. L'eau est contaminée, c'est pas dangereux. C'est pour ça qu'on met des combis. Tu m'as même pas demandé si je savais nager. T'as pas peur que je coule au fond comme une pierre?
Il y a une chance sur deux, je dirais. Mais ça vaut le coup pour avoir les images. Cette combi te met méchamment en valeur. Arrête tout de suite. Bon, allez, c'est l'heure de se geler les miches. La glaciale, me voilà. Ok, tout est prêt. Allez, toi d'abord. Reste bien derrière moi. Et descends pas trop vite. À où exactement? À peu près à mi-profondeur. Il fera complètement noir, mais les courants seront pas forts. Ça craint rien. Tu veux les coordonnées exactes? Non, t'embête pas. Je vais rester près de toi. Ok, ça roule. Les virtus, c'est pas qu'un simple moyen de gagner des édits pour toi. Non, tu crois? La peinture, la musique, c'est fait pour produire des réponses émotionnelles. C'est le principe de la créativité artistique, ouais. Exact. L'art est un catalyseur qui déclenche des émotions. Et les DS sont pratiquement des émotions à l'état pur. C'est cool, le problème. De quoi? Nage jusqu'à moi et regarde-moi dans les yeux, ok? Cool. Super, le signal est bon. J'ai juste besoin de ton aide pour les vérifications de base. Faut que je calibre l'équipement. D'abord, les détecteurs de mouvement et la prise de vue. Tourne autour de moi, allez, nage. Parfait, le mouvement est calibré. Reviens vers moi, V. Et maintenant, le son. Je vais te redonner une chanson et tu vas me dire ce que c'est. Tu m'entends? Hey, je connais ça. Eta Sorrentino. Only you. Bingo. C'est bon, ça devrait. J'arrive. Et maintenant? Prépare-toi. Quoi? J'en ai pas fait? Oui, mon amour. Oh, t'es merveilleuse quand tu cuisines comme ça. T'es merveilleuse. Pourquoi? Quand tu cuisines comme ça. Putain, il fait noir. Ça fait vachement peur. T'es carrément invisible. Viens, j'arrive. Incroyable. Notre Atlantis, rien qu'à nous. Ça s'appelait Laguna Bend. Il y a encore 15 ans, des gens vivaient ici. C'est bien, mais je peux pas avoir un mot. Ouais, je me souviens. NC Dam Limited voulait construire un barrage. Les gens ont protesté et voilà comment ça s'est fini. Ah, j'ai rigouté. Les terrains de jeu, tout a été englouti. Ah, juste une petite cuillère alors, hein, je goûte. Ouais, tu m'as dit. Tu veux y arriver ou... Je prends un peu de tout quand même. Un peu de vin. Est-ce que j'y mets un peu plus de soja? Je peux pas le dire, ça. T'as un très bon cordon bleu. Non, c'est trop bon comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Il y a rien entre toi et cet endroit, je suppose. Bien vu. J'ai compris ici.
J'étais pas revenu depuis que Laguna Bend a été rayé de la carte. Hein? Pourquoi tu me montres tout ça? Je veux saisir les bonnes réactions émotionnelles. Je sens que ça va être parfait pour mon expérience. Pourquoi ça va être parfait? J'espère que tu vas percevoir tout le flot d'émotions brutes que cet endroit réveille en moi. Que tu le veuilles ou non, tu vas réagir à ces sentiments. C'est ça que je veux saisir. Ça a l'air Nova. On y va. J'ai imaginé tellement de fois le moment où je reviendrai ici. Il m'a fallu des années pour trouver le courage de le faire. Pourquoi t'es pas venu plus tôt? Bonne question. La réponse facile, ce serait que j'avais ni le temps, ni le matos, que les astres étaient pas alignés. Mais la vérité, c'est que ça me faisait trop bizarre. Car elle est quand même une ville qui est engloutie, quoi. D'endroit pour une photo. C'est l'eau qui a dû la faire sortir d'une des maisons. Tu distingues quelque chose? Non, pas vraiment. Ouais, ça fait papa. J'ai trouvé un truc, on dirait un vieil appareil photo. DPI 350, c'est presque une antiquité. Il te plaît? Tu veux rire, il est trop cool. Je me lassais jamais de les écouter. Et ma grand-mère était lunatique.
Une seconde, elle était furax, et la suivante, totalement zen. Lunatique. Je comprends mieux. C'est courant dans ta famille? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ils sont allés où, tes grands-parents? À Night City? Ouais, pendant quelques années. Ils louaient mon appart actuel. Mais ils détestaient la ville. Ils ont déménagé en Oregon. Je vais les voir, de temps en temps. Allez, Judy, on continue. Oui, mon capitaine. Suis-moi. On cherche un truc en particulier, ici? Non. Mais ça peut pas nous faire de mal de jeter un œil. Il y a de bonnes vibrations. J'ai l'impression d'être hors du temps, comme dans une boule à neige. On peut aller voir ce qu'il y a plus loin après. Eh ben, démarre la voiture, hein. C'est-à-dire dans l'herbe, dans la terre. Réfléchis. Bien vu, Jenny. Oui, c'est sûr, on a déjà les vrais, ça. La porte. Là, on va aller dans une église sous-marine. Eh, oh, ça donne pas mal, hein, quoi. L'église a pas changé d'un pouce. Elle a toujours paru vieille. Et déjà, ferme le volet, là, le truc de l'eau, là. Dis-lui de fermer le truc, là. Dis-lui de fermer ça, parce que si elle joue au ballon, ça va déchirer le truc. Non, 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 tu le fermes. Tu le fermes. Tu joues au ballon, tu le fermes, là. Eh ben, il était pas génial comme film, mais j'ai vu mieux. Mes souvenirs? Hein? Hein? Le film, hein? Oui. J'ai vu mieux? Ah oui, c'est sûr. Hein? Ah, c'est fermé. Qu'est-ce que je me suis rendu? Dommage. On peut regarder s'il y a un autre moyen d'entrer. Fais-toi plaisir. T'aimais bien aller dans cette église? Je suis jamais vraiment allée à l'église. J'y prêtais pas attention, à vrai dire. Ça a servi à quelque chose? Regarde autour de toi.
Non. Non, tu joues au ballon, le ballon tombe dans le... Tape le cru... Je m'en fous. Je m'en fous, tu laisses comme ça. Oui, un passage. Je pense que ça craint rien. Je m'en fous. Je m'en fous. De moins en moins bien. Ah, je t'entends bien, moi, pourtant. Ça va? Ah! Vais, je t'en prie! Oh, putain, merci. T'es vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es évanoui. Comment t'as fait pour me sortir de l'eau? J'ai pas réfléchi. J'ai fait ce qu'il fallait. Hé, hey, attention, doucement. Alors, tu veux dire que tu m'as sauvé la vie? Merci. Je te l'avais dit que c'était con de plonger dans des déchets toxiques. Mais non, t'écoutes jamais. Des déchets toxiques? C'est ton construct? Toi, tu l'as entendu? Entendre, c'est un bien grand mot. Il a surgi dans ma tête, comme une pensée qui était ni à moi, ni vraiment à toi non plus. Fais pas attention à ce qu'il raconte. On a une relation... Pourquoi je me fais chier? Tu devrais attendre avant de retourner en ville. Je suis claqué aussi. J'ai aucune envie de conduire. On devrait dormir ici, qu'est-ce que t'en dis? Allez. Papa. Alors, il est acquis ce bungalow? T'as dit que tu connaissais le proprio? Un de nos voisins refusait catégoriquement de quitter Laguna Bend. Les flics ont dû le tirer hors de chez lui avant que l'eau ne recouvre tout. Alors il s'est construit une nouvelle maison, le plus près possible de l'ancienne. Mais il est tombé malade juste après. L'eau était bien plus contaminée à cette époque-là. Tu dois être frigorifié. Je vais faire du café. Tu le préfères comment? Noir. Noir comme le cœur des mères. Mais jette la poubelle, là. C'est une allumette, c'est tout, hein. J'ai oublié de mettre le générateur en marche. Je peux le faire. Non, faut pas que tu te forces. Je vais y aller mollo, promis. C'était sans sas, cette séance de plongée. Super relaxant. T'avais raison. C'est lancé. À ce petit jeu-là, c'est wow. Toujours. Alors sois prudente. Tu dis? Merde. Hey, Judy. Pour le café, y a un truc qui va pas? Non, ça va. Ne mens pas, Judy. On est toujours synchro, tu te rappelles? C'est la merde au Cloud. Ces bâtards de Tiger Claws se sont vengés pour Hiromi et pour le reste. Il y a eu une fusillade. Tom est mort. Roxanne a failli y passer. La maison est fermée jusqu'à nouvel ordre.
J'ai pas envie d'en parler, ni d'y penser. Je voulais pas t'en parler. Je voulais pas que tu penses que je t'en voulais. Qu'est-ce qui te fait croire que j'aurais pensé ça? Je sais pas. Désolée. Parlons d'autre chose, ok? Je vais aller m'allonger. Je suis crevée. On se casse. Mais la réveille pas, ok? Elle te gonfle, Judy? Pourquoi? Parce qu'elle s'intéresse aux gens? Et ça te rappelle que t'es un connard égoïste? Elle fait n'importe quoi. Tu lui ouvres la porte, elle préfère sauter par la fenêtre. Et en plus, après, elle s'étonne d'avoir mal. Elle te fait penser à Alt, pas vrai? Oh putain, mais... Non! Y a personne comme Alt. La relation qu'on a eue était unique. Allez, viens, putain, on s'en va, ok? Casse-toi si tu veux. J'ai pas l'intention de te laisser seul dans ce trou paumé. Bah, on peut pas te parler quand t'es tout sentimental. Ça sert à rien. T'as qu'à pioncer, tiens, ça t'évitera qu'on se prenne la tête. Comment, amour? T'es habillé, pense. Ah oui, t'es chiante, ma parole. Du coup, je suis habillé. Ah ouais, directement cache comme ça. Alors, est-ce que ça, je les démonte? Non, j'avais dit que maintenant, je vendais tout. Et j'achèterais plus facilement les composants, ça me reviendrait moins cher. T'asseoir à côté de moi. Ton café est prêt. Salut. Enfin. Tu sais, hier, je crois que j'ai enfin pris une décision. En fait, si je t'ai appelé, c'était pour te dire au revoir. Cette ville m'a bouffé. Et maintenant, elle me recrache. J'en sais rien. Tu déconnes, Judy. En gros, tu veux te barrer. Maintenant. Une fois, pendant une drôle de discussion, une poupée m'avait dit que je devais me battre. Je m'étais demandé dans quel but. Et maintenant que je croyais enfin avoir trouvé la réponse, l'amitié, la confiance, tu me dis que tu veux te barrer? Eh, ça veut pas dire qu'on se verra plus. Donne-moi ta main, V. Voilà, félicitations. Je viens de te donner l'accès illimité à mon appart. Wow. Tu veux que j'emménage? Si c'est ce que tu veux. Sinon, tu peux juste passer quand ça te dit. Je sais pas quoi dire. Personne n'a jamais fait un truc comme ça pour moi. Une belle preuve de confiance. Prends bien soin de toi, V. Alors ça y est. C'est la dernière fois qu'on se voit.
T'avais pas l'air si sûr de vouloir partir. Il y a une minute. Pourquoi faire traîner les choses? Je vais rester ici quelques jours. Après, je décolle. C'était cool de te rencontrer, V. Allez, à plus. Appelle-moi sur Olo de temps en temps. À plus, Judy. Bon, j'ai fini les quêtes de Jedi. J'ai gagné le trophée. Terminé l'histoire de Judy Alvarez. Bon, c'était cool. Du coup, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Il faut que j'attende. Je sois Patterson. Stephen. Et de la main aussi, je pourrais voir ce que c'est. Il y a River que je pourrais aller voir. Tiens, je vais aller voir lui. T'attires pas d'ennui, ok? Ben on va continuer ça. On va continuer un peu la quête principale alors. Je dis pas que je dois descendre la montagne en virage. Si c'est ça, je coupe le chemin par la montagne. Vous allez voir une moto volante. Ah non, ça va, on prend la route. Hello, nice city. Les ramen sont bons. Après, Clara, nous on est adultes, donc on voit plus de choses que toi, enfant, qui est passionné par la magie du... Qui est passionné, voilà, c'est un enfant, hein, les enfants, ils kiffent. Que je vois.
Dépôt vente, oui. C'est ça. Moi, il m'en faut deux pour rigoler, donc. Ça va être mieux pour moi. Mission, service. Alors, vêtements. Médoc, alimentation. Corps à corps. On va aller au dépôt vente là. Oui, j'ai une épée. J'ai mon pompe. 500. Le mien dispose d'un silencieux. Vendre la camelote. Je sais pas pourquoi je les vends, ça sert à rien. Ouais. Oui. Voilà, 46 000, c'est pas mal. En fait, il faudrait continuer dans les fabrications, un truc économique. Que
faire ça. Donc t'as lui, l'overwatch, tac, 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 tac. T'as donc tu me pousses son DPS là. En épique là, ça vaut le coup, vachement. Amélioration. Carte, il faut que j'aille faire le stock dépôt vente. Non. Voilà, Kinkairi. Je fasse le plein de munitions. Vous avez des trucs sympas. Ah, mais il n'a pas de munitions. Voilà, mais oh non, c'est lui. Là, c'est Wakako. J'ai un truc qui va te faire bander toute la nuit. Ah non, là, je suis déçu. Sélectionner une destination. J'ai plein de mes armes et tout, donc... Carte. Voilà, il y a mon armerie là. Que tu as. Voilà. Voilà, j'ai fait tout le tour. Alors, fabrication, amélioration.
Peut-être qu'on peut l'améliorer aussi, oui. Ah, il n'y a pas possibilité, juste. Play it safe. Ça, c'est un mec de la corpo, ça. T'as vu comment il marche? Oh, il fout des patates. Allez, on se regarde. Et on relance le jeu juste après. Allez, c'est...